dans ce monde, soit t'es infirme, soit t'es infirmier. Soit tu passes ton temps à lire, soit à imprimer. Soit tu n'atteins jamais la ligne, soit t'es le premier. Hein? Soit t'es libre, soit on t'enferme. T'as ta firme ou t'as ta ferme, faut que tu t'affirmes ou tu t'affermes. Ce que je veux dire par là, c'est que certains bossent dur pour pas grand chose, pendant que d'autres profitent de leur argent ou l'entreposent. Agriculteurs et traders n'amassent pas le même blé. Certains ont des valeurs et bien souvent sont sous-estimés. Les autres ne connaissent que la valeur de l'argent et l'ont sûrement surestimé. Une simple question, comment font-ils pour le dépenser? Non, en vrai plutôt, comment trouvent-ils le temps de le gaspiller? Électricité, bouffée, essence, un emprunt des dettes, impôts, taxes et assurances. Rajoute-moi un loyer, là non je peux plus payer. Non, bien sûr, ça va sans dire, quand certains possèdent des milliers de cents. Toi tu aimerais juste avoir des milliers de centimes. Cela va sans dire. Moi je pense que ça tuerait tes rapports humains. Et il paraîtrait que d'autres putains paieraient pour des rapports sexuels. C'est ça la tendance actuelle. Si tu offres du fric à une fille, peut-être que tu verras ses seins. Si tu lui offres ton cœur, peut-être qu'elle t'offrira le sien. Tes sentiments on peut te les ôter, mais l'amour ne se monnaie pas. Si tu laisses l'argent de côté, ton âme sœur te reconnaîtra. L'homme a plus d'instinct que tout le règne animal. Écoute un instant, regarde ces cannibales et ces requins instables qui s'installent sur les marchés d'insta. Quand tu prends la pêche d'un capital ou péché capitaux, quand tu sais racheter la capitale par des émirats amicaux, la politique sert des mains sales, gravement sale mytho. Pour les riches, à devenir encore plus riches, et de rester pauvres, pour rester pauvres. Des Chinois, qui me croit. Quand je regarde tout ça, j'ai deux ou trois choix. Ou je me cache, ou je me casse. Car je n'ai pas assez de 4 minutes pour en débattre. Ou bien, venez avec moi, qui voudrait se battre. Aujourd'hui, je n'ai qu'une seule envie. Je voudrais m'éloigner d'ici, rejoindre le sommet des cimes. Pour me soigner des signes qui chaque jour nous envahissent. Alors je pars chercher un grand bol d'air pur, pour des coins de verdure, avec de la bonne terre dure, un genre de vraie cure. Et j'aimerais que cela perdure, mais ce ne serait que perdre du temps, et comme le temps c'est de l'argent. Non, moi-même je ne suis pas convaincu que le temps puisse être de l'argent. On agit soit par instinct, soit par intérêt, rarement par réelle intelligence. Notre esprit est juste possédé par l'idée de posséder. Nous ne faisons que penser à ce que nous pouvons dépenser. Pourtant on dit que la nature se développe, se laissant rien demander. Moi j'ai l'impression de m'être retrouvé dans cette jungle en béton, se laissant rien demander. Et comme pour le moment, je ne suis élu d'aucun peuple, et que je ne serai élu par aucun peuple. Tant j'aimerais que les choses bougent, c'est juste à mes pensées que tu assistes. J'en finirai avec, le singe n'a pas appris à se tenir debout, pour que l'homme siège assis. Pour que l'homme siège assis.